Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, jeudi 26 septembre 2024. On a eu trois semaines ultra chargées, un gros calendrier. Je trouve qu'on passe cette épreuve-là haut la main, avec vraiment une très belle dynamique qui est en train de se mettre en place au niveau du Bitcoin et des altcoins. Là, on a eu trois jours plutôt calmes. Le marché a bien digéré, les indices sont plutôt dans le vert quand même globalement. Et là, sur les deux prochains jours, on va avoir directement un calendrier ultra chargé. Ça tombe bien, le Bitcoin est complètement à l'arrêt sous la moyenne mobile 200, vous le savez, autour des 64 000 $. On va trancher à la hausse ou à la baisse. Entre aujourd'hui et demain, vous allez voir très dense. Et ensuite, c'est pour moi une nouvelle merveilleuse. Vous savez, comme je suis un cellophane depuis très longtemps, bien évidemment, c'est un projet sur lequel je compte prendre de l'argent, faire des plus-values. Mais c'est le genre de projet que je recherche depuis le début que je suis dans les cryptos. J'ai toujours dit que Celo, Satoshi Nakamoto, doit être fier de ce projet-là. Et donc Vitalik valide et nous donne une autre information hyper intéressante sur Celo qui peut être ultra bullish. Ça fait très plaisir. Au niveau du CAC 40, moins 0,50, relative stabilité. S&P 500, pratiquement rien. Et le Nasdaq légèrement en hausse. Donc, toute la semaine quasiment en stand-by, parce que vous le savez, récession ou pas récession, jeudi, PIB troisième trimestre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les statistiques du chômage et tout ça, la définition de la récession, c'est deux trimestres négatifs de suite. Donc, l'indicateur à surveiller, c'est le PIB, 14h30. Bien évidemment, si vous avez le chômage qui n'est pas bon, à moyen terme, ça impactera le PIB. Mais à court terme, c'est le PIB qui va trancher. Inscription aux allocations chômage. Mais ça, c'est toutes les semaines. Mais là, ça sera scruté. Et vendredi, ce qu'on voit pas ici, c'est qu'on a des statistiques importantes. Mais le plus important, c'est le PCE, qui est très suivi par la Fed. Parce que vous le savez, les marchés sont gourmands. Il y a déjà eu une baisse de 0,5. Les marchés sont très gourmands. Ils parient sur encore 0,75% de baisse entre novembre et décembre. Pour l'instant, ce que je vois, c'est moins 0,25 en novembre, moins 0,5 en décembre. Donc, bien évidemment, ça peut vraiment faire bouillir les marchés. Si on a un bon indice PCE, ça voudra dire que la Fed a les mains libres pour baisser encore plus. Ensuite, ça met une pression. C'est les options qui clôturent le dernier vendredi du mois, autour de midi, je sais jamais, parce que entre les horaires d'hiver et d'été, le temps qu'on se cale avec les États-Unis, donc c'est le vendredi autour de midi, et concrètement, il y a 6 milliards, 8 milliards d'options, donc là, c'est plutôt des gros volumes, et le max pain est à 58 000, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un coup, il y a l'expiration des options, il y aura 6 milliards d'achats et de ventes sur le Bitcoin qui vont être réalisés, et ça aura tendance à tirer le Bitcoin vers les 58 000. Donc tant qu'on n'a pas passé l'expiration des options vendredi midi, naturellement, il y a eu comme une attraction du prix du Bitcoin vers le max pain. Donc on verra où on en sera, mais c'est un peu ce que ça nous donne comme information. Et en général, il y a une détente des marchés à l'issue et le week-end qui suit. Ça, c'est exceptionnel. Déjà, Artemis qui nous explique que Celo a passé Tron dans les adresses actives dans l'usage des stablecoins. C'est complètement fou parce que Tron dans les stablecoins, c'est vraiment une très grosse blockchain. Pour faire des transferts du USDT, vous le faites d'ailleurs, je pense, d'une adresse vers une autre. Très souvent, on passe par Tron parce que ce sont largement les moins chers. On peut passer aussi par la BSC, ça dépend. Mais Tron, c'est vraiment la référence. Et Celo, qui vient d'être une layer 2 sur Ethereum, ça y est, c'est validé. Celo Becoming on Ethereum, le Sunpost. Donc vraiment une très belle validation et en plus cette information énorme pour Celo. Ensuite c'est aujourd'hui Hamster Combat. On verra ce qu'on va toucher. Moi j'attends rien du tout de jeu. Et comme je l'ai dit, on verra. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'airdrops. Je pense que je donnerai la moitié aux membres, la moitié aux autres. Et je ferai deux petits airdrops séparés. Ça vaut pas grand chose, mais j'en ai touché 6000 et je crois que là j'en aurai 5005 dispo dès le premier jour. Ensuite, oui, le prix du Bitcoin qui commence à caler, on va aller voir les graphiques. On est sur un gros niveau pivot.
décision avant vendredi soir. Ça fait rêver, je vois beaucoup de chiffres. Et quand je vois ce genre de chiffres, je me dis que on n'a encore rien vu dans le RWA. Et c'est beaucoup de Chainlink qui s'expriment un peu sur ces sujets-là. Et on parle de 10 000 milliards d'ici 2030 d'actifs tokenisés. Donc si vous gérez 10 000 milliards d'actifs tokenisés sur une blockchain, votre blockchain doit valoir quand même beaucoup. Donc je me dis qu'il y a encore des énormes marges de progression. Et c'est pour ça qu'on cite souvent l'IA et le RWA. Mais quand vous voyez les montants en jeu dans le RWA, les montants en jeu dans l'IA, c'est naturel de penser que ce seront les deux secteurs phares. Ensuite, ça m'intéresse. Polymarket, je suis en train d'étudier, je vous prépare un dossier qui sortira dans plusieurs jours. 85% des gens parient sur le fait que Ethereum ne fera pas un nouvel ATH en 2025. C'est une statistique intéressante. Les gens ont perdu confiance sur Ethereum. Dommage qu'il n'y ait pas 90%. Ça serait ultra, ultra bullish sur Ethereum. Je dis pas qu'il faut toujours aller contre ce que pensent les gens, mais les gens, ça veut dire, ont perdu complètement confiance. Un peu comme le Fear and Greed. Pour moi, c'est un indicateur du même type. On en reparle dans un an. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'Ethereum va exploser son ancien ATH. On n'est pas beaucoup, d'après ce sondage, à le penser. Ensuite, on en a déjà parlé, mais ça fait plaisir. Dolcello, Forbidden Throne. Et il a rajeuni. Ou si, c'est Vitalik. Donc Vitalik Buterin, encore une fois, ça fait très plaisir. Société Générale Forge, vous savez, sa filiale Forge qui est spécialisée dans la technologie blockchain, qui s'associe avec Bitpanda pour travailler sur un stablecoin euro. J'espère que ça va prendre. Ils ont déjà un stablecoin qui marche vraiment pas, on en a parlé récemment. Même pas, je sais plus, je crois que c'est une centaine de transactions en un an, un truc comme ça. Donc pour l'instant, c'est un gros bid. Peut-être qu'avec Bitpanda, ça va mieux se passer. Suite ça, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. MicroStrategy arrête pas d'accumuler du Bitcoin. Et le Bitcoin, là, le gros défaut, c'est que ça prend de la valeur et tout ça. Mais vous pouvez pas générer des revenus avec ça. C'est pas comme sur Ethereum, faire du staking, faire du lending. Maintenant, il y a plein plein de protocoles, du restaking. Donc il y a plein de moyens, en gardant des tokens, de générer des revenus additionnels. Et c'est un défaut du Bitcoin. Et je me doutais de ça un jour que ça allait arriver. C'est que MicroStrategy, tout simplement, il va prêter ses bitcoins à des gens qui, en général, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour shorter le bitcoin. Donc il a une énorme position, 200 000, qui seront peut-être bientôt entre les mains de fonds, souvent ce qu'on appelle les fonds vautours, qui vont s'amuser avec. Parce que quand vous les, voilà, vous avez de telles quantités de bitcoin, si vous décidez de faire plier le prix du bitcoin, jouer la baisse du bitcoin en shortant massivement avec des gros montants, vous avez entre vos mains 200 000 bitcoins, vous pouvez faire plier le bitcoin pas mal, ouais. Donc c'est pour moi, c'est pas une très bonne nouvelle, mais après c'est l'entrée du Bitcoin dans la finance, voilà, avec tous les, on le voit maintenant, il y a des produits dérivés sur les ETF Bitcoin de BlackRock, voilà, la grosse finance arrive, les vautours arrivent, et là c'est typiquement un outil des vautours. Caron Ellison, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. On a eu des nouvelles de SBF, et finalement elle a pris que 2 ans, donc beaucoup moins que SBF. Certains crient au scandale, disent que la sentence est faible. Après, si la justice en la décide ainsi, j'ai pas d'avis particulier. Ensuite, Tone. Moi, je trouve que dans ce cycle, on parle beaucoup d'IA et de RWA, mais d'une certaine manière, ça existait, quoi. Tous les tokens que vous voyez, la majorité, ils existaient déjà dans le précédent cycle, à part Tao. Mais Fetch, tout ça existait déjà. Et je trouve que par rapport au précédent cycle, il n'y a pas beaucoup d'énormes projets, d'énormes mouvances narratifs qui apportent énormément dans l'adoption. Précédent cycle, c'était évident, NFT, Metaverse, Gaming, ça attire énormément le grand public. Je dirais les seuls qui jouent ce rôle dans ce cycle, c'est Tone et Telegram, qui font vraiment un boulot énorme, et on verra, je pense que Tone peut encore surprendre dans le cadre de ce bull market. Ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'ils avaient un peu arrêté d'acheter du Bitcoin. BlackRock se remet à acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Et regardez ça.
On parle beaucoup du Bitcoin MicroStrategy, presque 260, 359 606 BTC. À ce rythme, ça a démarré quand? En janvier? Ça fait très très peur. 108 mois. Projectif sur un an, ça fait 500 000 par an. Ouais, fin 2025, ils ont 1 million de bitcoins. Et si ça modifiait le prochain bear market? Ensuite, au niveau de la map, c'est pas mal. On a des belles choses. On a Wallcoin, on va aller voir. Je vous en ai parlé récemment. Il est passé de 10 à 1. Pour moi, ça se tentait. J'ai tenté. On suivra ça. Hop, plutôt une map plutôt verte quand même. On a Starknet qui enfin rebondit un peu après avoir chuté de presque 85%. Au niveau du Bitcoin, rien d'exceptionnel au niveau des volumes. Voilà, un peu comme la bourse, légèrement en stand-by. On attend les stats. Sur le Bitcoin, si on regarde en 4 heures, c'est parfait. On espère que les stats des 2 prochains jours ne vont pas gâcher ce scénario idyllique depuis le fameux 6 septembre. Voilà. Skyrocket. Là, vraiment. Et alignement des moyennes mobiles. En quotidien, absolument rien à dire. Rien à dire. On va passer next. Toujours en train de fighter, à faire des tiges bizarres. J'ai envie de dire que ça va passer, mais pour porter la chance, j'ai envie de dire peut-être qu'on va se replier. Un peu se replier, on n'ira peut-être pas plus bas que ça avant de vraiment repartir, peut-être. Ensuite, Stax qui va vraiment suivre le Bitcoin, on en a parlé hier. Gros point pivot, ça explose tout ça si ça se passe bien sur le Bitcoin, sinon retour autour des 1,40, 1,50. Ensuite, CFX, très très beau dossier, très très beau dossier qui a morflé vraiment. Je me demande si ça fait pas partie des dossiers qui ont le plus morflé. Après, beaucoup ont pris ça en moins 80. C'est fou. Très très beau dossier, moins 80, ça veut dire des perspectives encore meilleures qu'il y a un an, puisque c'est plus bas qu'il y a un an. Ensuite, Tao, qui commence, voilà, tout doucement à saturer un peu, à faire des mèches, des bougies d'incertitude. C'est normal, ça ne m'étonnerait pas que ça repique. Je vous l'ai dit, autour des 400, ça serait un super dernier niveau pour en reprendre une mouchée. C'est l'eau, des bougies vertes. Regardez la bougie verte, aussi grande presque que la bougie de volume. Les volumes sont sans appel. Voilà. Ce que j'adore avec l'indicateur volume, il se passait rien. Voilà, il se passait rien. Et là, d'un coup, un peu comme ici, on espère que c'est un gros retournement pour confirmer. Il faut exploser même 200. Allez, il faut exploser les 80 centimes et on décolle. Ensuite, Worldcoin, on en a parlé. Super belle pattern. Ça, en général, quand ça chute comme ça, et petit à petit, là, ça a saturé, là, ça a craqué, ça a encore craqué, ça a encore craqué. Pour attendre un vrai rebond, faudra aller viser les minimums, ouais, autour des 3 dollars. Sinon, fake out, plus haut, de plus en plus bas. Et enfin, je voulais finir par Notcoin. Je l'ai beaucoup attendu, je crois qu'il ne descendra jamais. Après, on en a parlé des statistiques importantes. Donc ça fait semblant de remonter. Il suffit qu'on ait des statistiques catastrophiques, boum, ça rechute. Et on l'aura attendu. Sinon, j'ai l'impression qu'il repart. Donc ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes. Touching each other.